Vous n'êtes pas seul. Oui. Vous n'êtes pas seul. Ensemble, on est plus fort. Et dans cette, le drame de ce diagnostic, entre guillemets, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir du plaisir, il peut y avoir du bonheur. Voilà, on y a le droit et c'est possible. Même si on n'aurait jamais voulu les rencontrer, en fait, il n'y a que des gens formidables, quoi. C'est vraiment. Le Et handicap, c'est un. quand même, moi ce qui me tient beaucoup, c'est l'espoir de la recherche. Moi j'ai besoin de ça. Oui, hein, ma femme travaille en génétique, donc du coup, voilà. Non, moi j'ai besoin. J'ai besoin de croire qu'un jour elle dira maman. C'est vraiment. Voilà, elle est jeune et je me dis que la science avance, il y a beaucoup de progrès et que. Et que c'est voilà, c'est pas impossible du tout. On ne sait pas quand, mais on sait que ça sera. Oui, je suis plus sceptique, elle est grande, elle ne sera pas prioritaire, mais après, voilà, il y a les autres enfants à venir. Et, voilà, après, c'est plus. On en est au stade de la souris, enfin, on sait que c'est très long, donc, enfin, c'est pas pour demain, quoi. Mais voilà, je veux pas. Approchez-vous, ouais, de l'asso, enfin, vraiment, ça aide, et puis, ne serait-ce même l'échange avec les autres parents, enfin, ça apporte énormément.